Coucou tout le monde, c'est Vinxibalos, on se retrouve pour un énième épisode sur Rock'n'Roll Life 2 avec Luxera. Putain de bordel de merde. Exé, change de prénom. Oui. J'en ai marre. Bonjour, je m'appelle Luxera. Voilà, c'est très... En fait, ça va être la voix. Ça va être la voix qui me fait penser à Luxera et... Vu que je vois pas ta gueule, en fait, c'est... ça va être ça. MDR. Voilà. Alors, on la reprend. Hein. Coucou tout le monde, c'est Vinxibalos, on se retrouve avec Exé Omnia. Bonjour Exé. Bonjour Phoenix. Au moins, on se trompe pas. C'était tellement con que c'est Phoenix, c'est obligé. On est sûr que c'est lui. On est sûr. Et on se retrouve pour un énième épisode sur Orc Must Die 2 avec cette fameuse map, le craquelement dont je ne connais absolument rien. Eh bien, en fait, c'est simple, Jamy. Il y a deux passages avec des orques qui sortent des portes. Pas possible, ça sort. Incroyable. Ça sort et ça s'en va. Alors, il y a. Ça sort de ici. Alors là, il fait un trou. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va jouer à Sheogorath parce que j'ai eu l'acquisition récente d'un anneau polymorphe qui est ici. Donc, on va changer le. Allez, c'est parti, on fait ça du coup. Par contre, on garde les incontournables. Ça... Oh putain, des chauves-souris de glace. Merde. Ah, ouais, d'accord. Oula. Ah non, merde! Mec, j'ai pas changé mes trucs. T'as pas changé tes... On peut recommencer la partie. Pour faire quoi? J'ai pas changé mes sorts et j'ai déjà posé des trucs. T'es sérieux? Putain, c'est pas grave, on peut recommencer. Réessayer. On va réessayer du coup. Que coucou tout le monde, c'est fait ta gueule. Bon. Ah, donc j'ouvre mon grimoire et on change nos sorts. Ouais, moi je les ai déjà changés moi déjà donc. Oh, elle marche de manière très sexy, n'est-ce pas hein, C'est une putain de blague. J'ai perdu 5 minutes d'addition. 5 minutes. Oh, bordel de... On a failli perdre le perfect. Faut mettre des... Faut mettre des barricades. Parce que... Et le pire, c'est que j'ai tellement hésité. Alors là, il y a de la lave ou pas? Ouais, on va rester là-dessus. Donc, il me semble qu'il y a que 3 portes. Il y a 3 portes, ok. Et on va commencer par celle-ci, normalement. Est-ce que je prends la babiole de défenseur de faille? À quoi sert-elle? Orion. Oh, il en a tellement besoin. Il faut le protéger. Non, en fait, ça... L'actif, c'est que ça étourdit tous les ennemis. Ça peut être intéressant. En effet. Sur quoi je viens de sauter? Ou alors je prends des paladins. Allez. Bien. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, puis on les met ici. Hop. Paladin. Soldat de l'ordre. Vous sommes réunis. Vous êtes des soldats du Gondor. Peu importe qui passera par la porte. Ah, ça met de l'autre côté. Nous allons immédiatement tester le Wabedjack. Wabedjack. Déjà une poule, c'est déjà pas mal. Voilà, nous honorons bien chez Ogorat. Wabedjack. Rassure-moi, ça a duré limité. Non, là il est parti pour être un troll là. Putain, mais merde quoi. Ça recommence. Wabedjack, allez vite. Wabedjack. 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 Je peux pas être. Wabedjack. Voilà, ça c'est bien. L'utilise pas sur les petits hein. D'accord. On va l'utiliser sur les gros. Ouais, c'est ça. Ça commence bien. Ah, on aurait pu prendre des trampolines. Quoique non. À moins que... Non, ça aurait été suicidaire de notre part de prendre des trampolines. En effet. Bon, je pense qu'on a gardé le rondin pour plus tard. Hein, Je pense également. Non, quand même, parce que sur les 12 vagues, je pense que c'est la première... Wabedjack. J'aime bien comme il a dépop. Si toi aussi t'as adoré le dépop du troll, abonne-toi. Abonne-toi. Alors là, c'est... Par contre, c'est... Ah, mais il y a 4 portes.
Ouais, ils reviennent de là, c'est un peu plus près, bon. Ça change pas grand chose. Ta-la-la. Alors, nous avons 12 vagues encore, hein, bien évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Toi-même, tu sais. Puis, il fait vachement beau pour la saison, quand même. On le dit pas assez souvent, mais... Alors, arrêtez de jouer à vos jeux pourris, hein, ça rend con, et allez, sortez dehors, hein, quand même. Franchement. Arrête d'éclater mes boules. Du coup, je voulais une meilleure arme que ça, mais j'ai gardé la baguette. Un troll! Ah bah Jack! Ok, toi t'es con. Il est monté en grade, ah bah Jack! Ah bah Jack! Ah bah Jack! Essaye encore. Non, pas ça. Non, pas ça. Encore. Surtout pas ça. Ah, parfait. Oui, je l'aime beaucoup comme ça, oui. Du coup, j'aurais peut-être dû prendre que le Vabadjack et laisser tomber les autres trucs parce que franchement. Bah, contre les petits orques, ça aurait été assez. Voilà quoi. Vabadjack! Oh! Mana, merci. Une potion de mana, mais que demander de mieux? Oh, un crâne. Non! Il est où? Il a limite pop sur moi. Ah! Non! L'enfoiré! Il avait tout prévu. Depuis le début. Hop. Alors normalement ça va venir des deux. Oh. Ah, ça ce sont des volants. Alors le temps que je trouve comment ça fonctionne. Non, en fait c'est pas des volants, en fait c'est des orques et des trolls et des ogres. Ok, bon bah la routine quoi. Et des créatures tentaculaires de Cthulhu. Oh merde, de l'autre côté, bon bah je te quitte. Mais moi par contre je suis parti sans mentir. Ta gueule. Oui d'accord. Oh. Le temps que j'y arrive, ça va être chiant. Ils auront déjà tout bousillé. Ah, d'accord. Ah bah Jack. Ah bah Jack. Deux poulets. Pour la table 2. Ah, j'ai plus de mana, dommage. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant. Ah bah Jack. Et une deuxième poule pour la table 2. Bah ils ont faim la table 2. Ah ouais. Non, faut des poules. Ah bah Jack. Merde. Ah bah Jack. Merde. Ah bah Jack. Vivante. Vivante. J'ai entendu parler d'une famine, ils ont été pris de panique. C'est des rumeurs qu'on se raconte comme ça. Rien n'est dit. D'ailleurs je sais pas si... Attends. Dernier épisode, est-ce qu'on a fait notre référence à Kaamelott? Oui. Je ne suis pas sûr. Il faut faire une référence à Kaamelott. Et je vais la faire maintenant. Ah bah Jack. Ah oui, belle référence à Kaamelott. Ah, tu n'as pas vu cet épisode? Tiens donc. Exé, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Kaamelott. Ça fait très longtemps. Plus de soldats du Gondor. Nous en avons besoin. Levez une armée digne du Gondor. Quels sont les ordres, monseigneur? Quels sont les ordres de l'arbre? Ah, ça fait moins stylé que l'œil quand même. Quels sont les ordres du roi? Alors, ça viendra de là. Oh, désolé. Oh. Salut. Ouais, bah Jack. Ouais, bah Jack. Oh, une potion de mana. Oh, une potion de mana. Je la veux. Merci bien. Vous êtes sympathique. Je vous aime bien. Et vous savez quoi? Je vous aime bien. Les orques envahissent Minas Tirith. Soldats du Gondor, chargez. Ouais. Chargez. Volocellés. Ouais. On est des soldats du Gondor. Waouh. On se bat en arrière-plan. Seigneur des anneaux. On se bat en arrière-plan. On se bat en arrière-plan. Ça vient de l'autre côté. Portail. Je l'ai dit. Ah ouais, d'accord. Moi je suis con, je prends... Bon bref. Tombe dans la lave. Voilà, remercie Phoenix d'être aussi con.
Vous imaginez, sans lui, mais on serait tellement chier. Et on aurait tellement plus de perfect. Sans lui, on aurait fini le jeu depuis déjà tellement longtemps. Alors, ça arrive de l'autre côté, j'y vais. Ça arrive des deux côtés. Ça a des boucliers, en plus d'avoir des armures, hein, c'est bon, ça va, pas trop cheaté. Vous voulez un café aussi? Wabadji, oups, Wabadji, oups, Wabad, merde. Wabad Jack, Wabad Jack, Wabad, merde. Help, exé, je t'en prie, viens m'aider. Wabad Jack. Non mais, il est sérieux? Bah oui, je suis sérieux. Pas comment tu te débrouilles? Wabad Jack! Avec les trois soldats derrière, ils passent pas. Alors attends, je viens de recevoir un truc. Merde, je... Ah! Tryharder de Luxera, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit... Oui. On lui dit Wabad Jack. Va... Bah... Jack, voilà. Je sais même pas si c'est comme ça, c'est... Ah, y a une... Pourquoi il y a une poule? Pourquoi il y a deux poules? Jack. Les poules, ça fait pas de dégâts. Bah normalement non, à part si tu mets une bombe dedans. Oh, il y a un... Oh, il y a un seigneur de la terre. Wabad Jack. Eh bah ah bah Jack. Oh donc, c'est la journée des kobolds. Ouais. Geograt a décidé que c'était la fête nationale des kobolds. Ah là là. Alors par contre, ah je... Oui, en fait, je crois qu'il a vraiment décidé que c'était les kobolds parce qu'il y a des kobolds qui arrivent. Ah bah Jack. Ah bah Jack. Moi ouais. Vérifie les volants de l'autre côté. Pourquoi ? Il y en a de ce côté-là et... Attends, quoi ? Par où ils passent ? Les volants de l'autre côté. Il y en a qui sont passés, hein, je sais pas comment. Les MDR. Et regarde, il y a des volants là. Des vols. Ah merde, putain. Bon allez, j'utilise le rondin, voilà, ça, ça fait le ménage. Ah, c'est vers toi là, tout ça là-bas. Eh. Oh putain. Détruisez-les. Ok, d'accord, je suis beau. Ah. Voilà. Ta-da-dam, dam. Putain, mais ils sont nombreux les cons. Et nous sommes qu'à la cinquième vague, messieurs, Wabad Jack. J'aurais peut-être dû prendre des sorts finalement. les bonnes fioles d'acide, ça aurait été appréciable. En effet. Alors, j'ai vu un crabe des bases aujourd'hui, quelle horrible créature. Au revoir. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, mais ça me gêne un peu de... D'accord, tu te calmes la poule. Ouais, parce que là on entend un peu de... Bonjour. Bonsoir. En fait, c'est les gardes. Bonjour, j'ai vu un crabe des bases. Ils sont tellement beaux. En train de défoncer les orques. Baladam, baladam, baladam. Oh, c'est des gnolls. Ah, Jack. Oh là. Tellement de puissance. Est-ce que c'est... Oh. Est-ce que c'est le vrai? Ah oui, c'est vrai que t'avais posé des pièges là-haut. Ouais. Des trucs d'acide. Faudrait peut-être que je continue d'ailleurs. Eh. Arrêtez de bouger, j'essaye de vous tuer. Arrêtez de recourir, j'essaie de vous tuer. Oh bah Jack. Oh bah Jack. Oups, plus de mana, dommage. Bah Jack. Ah bah ça se passe. Ouais, non en fait ça se passe pas du tout. Bah disons que... Disons que ça pourrait mieux se passer. Enfin un épisode intéressant. Exact, là c'est vraiment... On est dans le vif du sujet, on commence légèrement à galérer. À galérer notre... Attends. Ah j'ai cru que... Ah par contre toi Ouais, c'est un peu l'invasion, mais bon, ça se passe. Hein. Vous êtes des soldats du... Mais...
Philippe. Peu importe ce qui arrivera par cette porte, vous... Mais arrêtez de vous barrer. Alors... What? Ouh, j'ai bien cru que j'allais tomber dans la lame. T'as des masses métronomes? L'intense réflexion d'un homme sur oui ou non poser un soldat ici. Oui, bonjour. Il y a eu un petit moment où... Mouais. Il y a eu des lags. Bon alors. Aurais-tu une masse métronome? Non. On a perdu. À part si je vois un soldat. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer, nous avons perdu. Suraine maintenant, hein, FF. Je la pose où ta masse? Bah je sais pas, quelque part, mais pose-la. D'accord. En fait, non, garde-la. En fait, pose... Ouais. Disons que je pensais pas réellement à ça, mais... C'est peut-être mieux, ouais. Du coup. Messieurs, mesdames, nous sommes à la 7ème vague, puis c'est un peu... Ah, d'accord. Ah merde, c'était pas le bon. Il y a des volants. Enfin, je pense. Je suis pas sûr. Putain. Le... Ouais, tu peux t'occuper des volants cette fois-ci. En fait, c'est des Scott Cobalt qui sont passés. Les soldats, ils les laissent passer. Ils laissent passer les Scott Cobalt. Ah d'accord. Les méchants. Ah mais oui. Mais en effet. Mais attends, quoi? Il y en a un autre qui est passé là. Oh là là, Scott. Scott, arrête. Mais retenez-les un minimum. Ouais, bah Jack. Ouais, bah Jack. Voilà. Ah. De l'or. Des montagnes d'or. Wouhou. Oh bah Jack. Oh bah Jack. Ouais, yeah. Bah Jack. Mais non, mais je suis le roi des cons. Ouais, bah Jack. Putain. Ah, t'es mort, ok. J'ai tombé dans... Ouais bah Jack. Oh putain. Bien, alors De toute façon, le perfect était déjà tombé dans les mains. Oh, l'excuse. Eh, oh. Oh bah Jack. Ouais bah Non, merde. Oh, j'ai plus de... Mais c'est poule, mais c'est une ferme. Oh, un crâne. Oh là là, bien joué. Ouais, j'ai peut-être crevé à cause de ça. Et je vais crever à cause de ça. J'ai réussi à m'en sortir. Oh, bien joué. Il faut que j'arrive à voir. Wabat Jack. Eh, merde. Wabat Jack. Putain. Wabat Jack. Voilà. On va les mettre là. Cette basse-cour ne finira donc jamais. J'avoue, il y a des poules un peu partout. La sorcière est passée par là. Non, jure. Alors, c'est un peu le merdier. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Oui. Alors, qu'avons-nous là? Des orques intermédiaires. Alors, allons essayer de ralentir ce qui se passe de l'autre côté pendant que Exé s'occupe de l'étage. Bon, ça va. Ce ne sont que des orques. Vous voyez? Ce n'est encore qu'un simple orque. Mais bientôt, ce sera bien plus. Ce sera un élu. Bon, c'est la guerre. Oui, mais c'est ça qu'on aime. La guerre. Il faut ajouter plus de pièges. On n'a jamais assez de pièges. Alors, par où ça arrive? Ça arrive de l'autre côté. Ça se passe bien ici.
rejoignons l'autre côté. Eh hey, mais c'est la première fois que je vois des paladins aussi stoïques qui se font tirer dessus. Oui, je ne vois pas de quoi du tout, de quoi vous parlez. On nous a appris à ignorer la douleur. Limite à ignorer les ennemis aussi. Oui, aussi à ignorer les ennemis. Plus mort que ça, tu crèves. Bien. Plus de soldats du monde. Il n'y en a pas qui sont morts pour l'instant. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est de l'autre côté. Et des volants. C'est quoi ça, c'est un scot? Putain, c'est des scots! Mais abattez-le! Mais même les archers, ils s'en foutent. Oh mon dieu. Arrêtez, monsieur. Stop. Putain, mais qu'est-ce qu'ils... Ils ont un... Ils ont rap. Attendez, c'est quoi ça? Un seigneur de la terre, très bien. Et il y a des gnolls aussi. Tu peux t'occuper des gnolls? Je sais pas où ils sont les gnolls, mais. Surveille nos soldats. Surveille les soldats. Oh, ils sont là, d'accord. Wabadjack! Wabadjack! Voilà. Putain, les scouts! Mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais c'est la première fois que j'ai des soldats aussi cons! Mais arrêtez! Mais bordel! D'accord, là on a un vrai problème. Putain! Wabadjack! Wabadjack! Putain, mais. Ça va, oh putain, non mais. Ensemble, luttons pour acheter un cerveau aux soldats. Wabadjack! Wabadjack! Putain, vacherie! Putain, de l'autre côté! Oh, j'ai plus de mana! Et les fontaines qui mettent plus de mana! Oh là là, mais c'est. Oh! Putain, mais. Merde, mais ils sont éliminés! Ah bah Jack! Mais... Ah bah Jack! Ouais. Faites quelque chose! Mais faites quelque chose! J'ai pas assez de mana! Oh putain! Oh, ça fait du bien! Oh! Bon, par contre, c'est la merde absolue! T'avais dit quoi au début de vidéo? Qu'elle était facile cette map? Mouille! Normalement, je mets que des archers. Ça marche! En théorie! Pas d'archers, du coup, c'est normal que. Attends, il y a beaucoup plus de soldats du Gondor là que là-bas. Bien! La merde! On va mettre plus de goudron. Je pense, ouais. On va tapisser en fait autour de la faille, on va mettre plein de goudron. Nous avons plus que 15 chances de réussir. Franchement, en 3, ouais. En 3, c'est... ça devrait être simple. On peut y arriver. Oui. Alors ça vient d'où là? Défaite. Non mais franchement on aurait pu. Il faut les avouer. Oh merde. Des volants. Abattons-les. Bon bah il y a des volants ici. Là il y a des orques. Et paladins s'en charge. Bon bah ici c'est bien. Ah bah Jack. Ici nous avons des ogres de glace, de beaux spécimens. You know. Yourself you know. Yes. La défense continue. Ah bah Jack. Oh bien joué. Ah bah Jack. Ah bah Jack. Je pense que je vais garder le Wabat Jack pour parce que c'est tellement cheaté en fait. C'est efficace contre les ogres hein, et toutes ces saloperies. Ah bah Jack. Oh là là. Oh. Ah, d'accord. Comment? Oh merde! Oh putain, j'ai cru que l'escalier était plus frais. Oh! Ah bah toi aussi, alors voilà. Oh merde! Oh putain! Ah bah Jack! Oh merde!
On va battre Jack. Putain. Oh, ça fait longtemps qu'on a pas vu des orques comme ça. Oh, cet épisode. Avant-dernier. On peut le faire. On y croit. Bon. Ça va être tellement chaud. Je te laisse le hall sud. Ouais, je... Alors apparemment c'est des gros trucs. Ouais. On va battre Jack. Non, moi ça va, c'est des poules. On va battre Jack. Moi non, moi c'est tranquille, hein, je comprends pas. Grâce au pouvoir de l'arbalète, je peux one shot les ogres. Oh putain. On va battre Jack. Merde. On va battre Jack. On va battre Jack. Alors là par contre, ça va être utile mon passif. Je peux même pas utiliser mon passif. Si. C'est les gros qui arrivent là par contre, hein. Et j'ai plus de mana. Va peut-être falloir venir. Mais non. Ah bah Jack. Mais non. Ok, très bien. Ah. Ah bah Jack. On va battre Jack. Putain. On va battre Jack. Putain. Ok, donc j'ai fait une connerie. Oui. On va battre Jack. Putain. Eh. On va battre Jack. Oh, le pouvoir du Wabat Jack. Je me demande bien comment tu vas nommer cet épisode. Wabat Jack. Je sais pas. Je vais proposer un vote. Sur Twitter. Sur Twitter, là. Entre Wabat Jack et Wabat Jack, qu'est-ce que vous voulez? Wabat Jack. Mais qui sont cons. Ok. Il y a eu beaucoup d'ogres. Et ouais. Grâce au Wabajak et à l'arbalète cheaté, nous sommes venus à bout de ces ennemis. Exactement. Attention. Il y en a. Ah, ça vient d'où? Ok. Bon. La dernière vague. Faire apparaître des soldats du monde d'or, du coup, on va mettre à des pieds la flèche. Ça va chier des bulles là par contre. J'espère que t'as assez. Allez, c'est parti. Go. Tu t'occupes des volants ou euh... Ouais. Oui. Oui. Ok, on va plutôt s'occuper du Wall West. Voilà, très bien. Super, génial. T-R-O. Ah bah Jack. Et merde. Alors, ah bah Jack. Et merde. Ouais, mais du coup là il y a des volants, ouais. On va battre Jack. Bon, alors là ça commence à être bordélique. Ah tiens, j'ai pris l'amélioration de glace. Laissez-moi voir les géants, s'il vous plaît. On va battre Jack. Merde, on va battre Jack. Eh merde, ouais bah Jack. C'est que là il y a des autres qui me chargent et je dois en même temps tuer les volants. C'est assez moyen. Pour l'instant il n'y a pas trop de volants. Par contre nos hommes se font déchiqueter la nouille. Ouais bah Jack. Ok, nous gardons le contrôle de la situation par ici. Alors par contre il y a tellement d'ennemis que je rame. Est-ce que c'est possible? Ouais bah Jack. Ouais bah Jack. Wabat Jack. Eh merde. Ah oui, il y a un peu trop d'ogres là. Ouais, un peu. Ils les étourdissent constamment. Merde, je suis gelé. Ah c'est bon, ça va mieux. Parce que c'est le décès, non? Non. Alors par contre, je rame. Putain, il y a tellement d'ennemis que je rame. Attends, si un jour j'arrive à tuer cet ogre, oui. Je peux venir t'aider. Ouais, parce que là, c'est... Ouais. Je vais m'occuper des volants. Waouh! Je vais le nommer. Non, mais là je peux plus rien faire là! Oh attends! Je... Bon, là c'est pire qu'une diapo là! On reprend! Alors, on a bientôt fini!
Ouais, on a bientôt fini, vas-y. Alors, j'essaie de rester en vie. Ah, c'est tellement horrible! Est-ce que c'est... Plus jamais. Ah non, mais plus jamais on fait ça, non. Oh. Attends. Oh putain. Quoi, j'ai rien à faire. Oh, c'est pas soirée diapo, c'est au niveau du ping. Hein. Oh. Oh. Oh, bah Jack. C'est oh, bah Jack. Allez, allez, mourez. Tu veux, en fait, je vois les trolls qui ne bougent pas devant les gardes. Ah, d'accord. Genre, ils les regardent. Par contre, derrière nous, il y a un gros truc, là. Alors, je te laisse faire parce que c'est le bordel de pixels, là. Je peux plus rien faire. Ça va être tellement drôle à l'upload. J'ai un FPS. Comment? Ah, oh, ça va mieux, ça va mieux. Il y a moins d'ennemis, ça va mieux. Moins, se lâche pas. Oh là là. 12 vagues, 12 points de faille. Bon, alors c'est pas que je vous aime pas, messieurs, mais on va vite s'empresser de terminer ça parce que j'ai l'impression que mon ordi va exploser. On a eu 3 crânes. C'est une guerre absolue. Là, en plus, à la fin, c'était soirée diapo. Du coup, enfin, un vrai épisode. J'ai gagné le mode sans fin d'ailleurs de ça. Là, bon, bah, c'est superbe. En j'espère. Fait, l'épisode, tu pourras l'appeler la guerre tout en majuscule et avec entre parenthèses hashtag WebAdjack. Ouais, je pense aussi. C'est ce qu'on va faire en place. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré les immenses lags que j'ai eu. Que le bordel absolu des soldats qui avaient pas de cerveau. Mais c'était quand même absolument génial. On s'est pas ennuyé une seconde. En espérant que ça continue sur cette voie, sauf pour les lags, je vous souhaite un très bon ce que vous faisiez, et un cœur à voir tout le monde. Exé, un mot. Adieu. Allez.